Aujourd'hui, vidéo très spéciale. Montréal Original Labs. Tu connais pas? Toi, fumeur qui veut arrêter de fumer. Toi, vapoteur qui a un manque de sensations fortes. Regarde ça. Voilà, les amis. Alors, je vais vous expliquer pourquoi cette vidéo est vraiment spéciale. Parce que aujourd'hui, j'ai la joie de vous annoncer qu'on peut arrêter de faire fumer un fumeur avec la marque Montréal. Avant de vous présenter ces trois liquides, il va falloir que je vous explique pourquoi. Bien évidemment, parce que vous allez vous poser la question, lui, qu'est-ce qu'il fait, qu'est-ce qu'il dit? Il arrive avec trois liquides qu'on y a envoyés, il les teste et il va nous faire arrêter de fumer. Non, je ne suis pas docteur. Déjà, je ne suis pas docteur et je ne suis pas non plus un marabout, je ne suis pas un hypnotiseur ni quoi que ce soit. Je vais vraiment vous expliquer pourquoi vous pouvez arrêter de fumer avec ces liquides. Non pas seulement avec ces trois liquides, mais plusieurs liquides. Vous allez comprendre pourquoi. Parce que de nos jours, des liquides tabac, bien évidemment, si on en veut, il y en a. Il y en a beaucoup. Des liquides synthétiques sur le marché, il y en a à peu près 70%. Des liquides macérats, on en a à peu près 29%. Et des liquides qui ont été créés par osmose inversée, on en a 1%. Et ils sont là, devant vous, ici. Je vais vous expliquer. Déjà, avant que moi, je vous dise des bêtises, continuez à voir cette vidéo. Mais une fois après, je vous invite à aller vous renseigner vous-même, par vos propres moyens, sur Internet, et regarder ce qu'est l'osmose inversée. Voilà. En gros, si j'ai bien compris, l'osmose inversée, c'est un liquide qui arrive d'un côté, qui a été macéré avec du tabac, qui passe par une membrane ici et qui est filtré. Alors, rapidement ou lentement, ça je ne le sais pas, ça me dépasse. Et ensuite, qui est récupéré le liquide de l'autre côté et qui est propre avec aucune particule qui passe à travers la membrane. D'où le contraire du macérat, mis à part les macérats qui sont faits pour les pods, qui sont clairs, bien évidemment. Mais le problème avec les macérats, c'est que vous ne trouverez en aucun cas une Marlboro, une Lucky Strike ou une Camel. C'est-à-dire, vous ne retrouverez pas un Rodeo de chez Montréal, ni Chance de Montréal, ni Oasis de chez Montréal. Ça se trouvera pas. Vous allez trouver souvent dans les macérats des mélange de tabac, du tabac simplement, mais qui n'est pas la marque que vous allez rechercher. Alors bien évidemment, comme je vous l'ai dit, il y a de nos jours beaucoup de liquides synthétiques, le FRM, qui est le Marlboro, le fameux Marlboro que tout le monde connaît, le FRM, ça se connaît, c'est assez vieux, mais ça reste synthétique. Et honnêtement, avec un petit sel de nicotine, adapté à votre consommation, un petit pod. Pour ma part, je vous conseillerais une kiwi. Ça, c'est mon ressenti personnel. Mais après, chacun est libre de vaper sur le matériel qu'il le souhaite. Petite info, les kiwis sont très chers. Mais ils ont sorti la Kiwi Spark, qui est à 18 euros à peu près sur Internet. 17,90, 18,90. Avec un petit liquide en sel de nicotine à 6 euros. Enfin, à 5,90 ou 6,90, cela dépend des revendeurs. À mon avis, avec un petit peu de volonté, on arrête de fumer parce que si on est fumeur de Marlboro, qui est le Rodeo et qui est ici, eh ben, on arrête de fumer. Je comprends très bien pourquoi le procédé d'osmose inversée a coûté 2 millions de dollars et a coûté aussi 3 ans de la vie d'une personne pour mettre au point ces liquides qui ont été créés par osmose inversée. Vous avez bien entendu, 2 millions de dollars et 3 ans. 3 ans d'une vie, ça vaut tout l'or du monde, c'est beaucoup de temps.
3 ans pour développer ça. Je pense que le gars, Nathan, qui a développé ça, à mon avis, vraiment son but ultime, et je le sais, c'est que les personnes arrêtent de fumer. À mon avis, c'est le mec, il n'est pas là pour faire du pognon. Ça, c'est mon avis personnel. C'est plus une mission. Voilà. Il est là pour faire arrêter du monde. Bien sûr que chacun gagne sa vie. C'est tout à fait logique. Mais si on peut gagner sa vie en sauvant des vies, honnêtement, moi, je signe demain. Ouais, franchement, je signe. Et honnêtement, quand là, parce que je suis désolé de dire ça, je ne devrais même pas vous le dire, mais je suis pas en train de vapoter, je suis en train de fumer. Je suis en train de fumer une Marlboro. Je suis en train de fumer une Marlboro. On a vraiment le goût. Je me permets de vous dire ça parce que j'ai arrêté longtemps de fumer, mais j'ai repris il y a 3 mois. Donc, j'ai arrêté il y a 3 mois. J'ai repris quelques temps, suite à des petites aventures de ma vie qui m'ont fait replonger la cigarette. D'ailleurs, vous pouvez le voir dans mes vidéos précédentes, pourquoi j'ai repris la cigarette, comment j'ai réussi à arrêter et comment je continue à tenir. Et avec ça, en gros, si tu refumes, c'est que vraiment tu es teubé, tu peux pas, c'est pas possible. Tu peux pas te remettre à fumer en ayant des liquides comme ça. C'est soit tu n'as pas envie, soit tu n'as pas envie. C'est tout. C'est tu n'as pas envie. Alors maintenant, je te parle à toi, fumeur qui regarde cette vidéo, parce qu'elle est là pour toucher, dans un premier lieu, les fumeurs qui veulent arrêter de fumer, mais qui ont peur de vaper de la fraise, qui ont peur de vaper du Red Bull, qui ont peur de vaper de la banane. Je comprends, je comprends. Quand tu es fumeur, tu n'as pas envie de te siffler de la banane ou tu n'en as pas envie. C'est comme ça. Tu as envie de ta cigarette. Eh bien là, avec les liquides Montréal, tu as ta cigarette. Et ça, c'est garanti à 100%, même à 500%, et c'est validé à 1000%. Donc ça, je peux te le garantir. Tu as une Marlboro. Je ne peux pas te décrire mon ressenti par rapport à une Marlboro parce que c'est rapide. Tu testes, ça a le goût d'une Marlboro, ça s'arrête là. C'est ce qu'on cherche, c'est ce qu'on veut, et c'est ce qu'ils ont fait. Chai Marlboro. Celle-là, bien évidemment, je l'avais goûté. C'est le seul des trois que j'ai testé. Les deux autres, je ne les ai pas testés. Donc les deux autres, on va partir sur le Chance. Classique américain aux notes grillées. Lucky Strike. On va partir sur un Lucky Strike. Bon, je la connais, celle-là aussi. Hein. Je l'ai fumée à l'époque. Mais moi, c'est Camel. Moi, mes cigarettes à moi, c'est Camel, c'est la prochaine. Ces liquides sont dangereux. Voilà, vraiment un vapoteur confirmé. Je vous parle d'un vapoteur confirmé. Il prend ça, et ben il va trembler. Il va commencer à trembler parce qu'il va se dire, je ne suis pas en train de vaper. Et ça, toi, vapoteur confirmé qui aura cette vidéo, je te le confirme à 100%. Ah, c'est putain de réaliste, c'est un truc de fou. C'est pas un Macera. Là, on a vraiment la marque, c'est la Lucky Strike. Et ça ne déroge pas à la règle. C'est vraiment une Lucky Strike. C'est. Tout, on a tout en fait. Là, je vous parle de ça avec la kiwi. Avec ma kiwi, moi personnellement, j'ai le filtre en papier. Quand je tire dessus, j'ai l'impression de tirer sur une clope. Et quand j'inspire et j'expire, limite, je fais ça, mais je sens pas la clope. Mais c'est pareil, c'est un effet bizarre qui se passe dans ta tête. Tu sens ta bouche pour savoir si tu sens pas le tabac. C'est un truc de fou. C'est ça, c'est Lucky Strike, c'est clair et net. Voilà, la chance, c'est vraiment Lucky Strike. Et là, par contre, désolé Nathan, mais je vais être intransigeant, intransigeant sur la Camel. C'est ma cigarette. Voilà, là, on peut rien faire. Là, malheureusement, le verdict, il va tomber, car je suis très objectif, je suis très honnête. Si on n'a pas le goût de Camel, on n'a pas le goût de Camel. Je vais vous dire ça. De suite, toi fumeur, regarde bien cette vidéo et regarde bien ce ressenti-là.
La Camel, c'est ma cigarette. Oasis. Je me permets d'abord de le sentir, parce que là, c'est pas pareil. On parle de ma marque de tabac que j'adore. Soyons clairs, à l'odeur, on n'a pas d'odeur. Il n'y a rien. C'est neutre. On dirait du PG, du VG. On n'a aucune odeur. J'aime de pleurer. Bon, je crois qu'on va faire une pause de 5 minutes, le temps que je... Excusez-moi, mais que je fume, parce que là, je suis en train de fumer. En fait, je suis tellement têtu et je suis tellement bluffé que j'essaye de chercher le petit défaut pour dire, mais non, c'est pas une camel. Mais en fait, oui, c'est une camel. Carrément. C'est dangereux, c'est très très dangereux. Pour toi, fumeur qui va arrêter de fumer, si tu n'arrives pas à arrêter de fumer avec ça, alors là, je ne sais pas ce qu'il te faut. C'est une camel, bravo. Bravo Montréal. À partir d'aujourd'hui, Montréal, c'est mon nouveau tabac. Voilà. C'est quand je vais te commander des liquides, quand je vais recevoir ma commande, je vais dire ça y est, mes cigarettes, elles arrivent. Voilà, je vais te commander des cartouches et ma cartouche, elle va arriver. C'est clairement. J'arrive même plus à vous parler en fait, parce que mon cerveau, il est déconnecté complet. Là, je m'attends. La Lucky Strike, autant, elle est très bonne. La Marlboro est très bonne. Je ne peux pas être objectif parce que ce n'est pas des clopes que j'ai. Bien sûr que la Marlboro, je l'ai fumée à l'époque. Elle est très bonne, c'est une Marlboro. La Lucky Strike, j'en ai déjà fumé, mais je ne peux pas être vraiment objectif sur la Lucky Strike, mais on a un très bon goût de tabac. Mais là, la Camel, c'est vraiment la cigarette que je fumais. Donc, c'est une Camel. C'est une Camel, c'est pas un FRM ou un FRK ou ce que vous voulez, synthétique. On a le goût de tabac. Il n'y a pas l'odeur. Il n'y a pas l'odeur et. Et les doigts, ils sentent pas, quoi. Ça pue pas. Ça pue pas et je peux vaper ça à la maison sans problème. Ah ben, vive l'osmose inversée. C'est tout ce que j'ai à vous dire. Voilà, toi, vapoteur qui a manque de sensations fortes, si tu veux revenir dans le passé de temps en temps et te faire un petit plaisir avec un petit cognac ou avec un café le matin, avec un peu ce que tu veux, quoi, ou après avoir fait des gâteries, ou avoir fait ce que tu veux, tu as envie de fumer, ben tu prends ça. Franchement, Camel validé à 3000%. Après, ça ne veut pas dire que les autres ne sont pas validés. Peut-être qu'un fumeur de Lucky Strike, il n'aimera pas la Camel ou la Marlboro, mais un fumeur de Lucky Strike qui arrête de fumer et qui prend le liquide Montréal, qui est Lucky Strike, le liquide chance. C'est à mon avis impossible, s'il a la même sensation que moi sur le camel, à mon avis ça va être impossible qu'ils disent que ce n'est pas une Lucky Strike. C'est ça, j'en mets ma main à couper. Voilà les amis, vidéo très spéciale parce que comme je vous l'ai dit, des liquides tabac, il y en a énormément, des macérats, il y en a pas mal, mais là, il n'y en a pas du tout. Il n'y a que là qu'on retrouve des cigarettes naturelles chez Montréal. Montréal, Montréal. Enregistrez bien cette marque. Regardez bien les vidéos de chez Montréal sur YouTube. On va vous expliquer l'osmose inversée. Ils vont vous expliquer au Vape Expo pourquoi ils ont gagné des prix. Voilà. Et vous allez avoir toutes ces trucs-là. J'espère qu'ils vont vous chambouler le cerveau et qu'ils vont vous faire arrêter de fumer. Toi, fumeur, n'aie pas peur. N'aie pas peur de te procurer un petit pod. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, les petits pods Kiwi sont sortis à 18 balles. Avec 5,90 ou 6,90 ou 4,90, peu importe, on va dire 7 euros. Allez, on va vraiment aller loin. 20 balles, le pod Kiwi avec une résistance. Et 7 euros liquide, 27 euros. Tu as jeté quoi?
Tu as jeté 2 paquets de cigarettes à la poubelle si ça passe pas pour toi. Mais moi, tu as ma certitude et objectivement, tu vas pouvoir arrêter de fumer. À part si tu n'en as pas envie et pas la volonté. Ça ne sert à rien de dépenser tes sous. Ça, c'est clair. Par contre, si tu as envie d'arrêter de fumer et de retrouver le goût de ta cigarette actuelle qui te maintient dans ce tabagisme et que tu as envie de passer à la vape, eh ben, je te dis, je ne suis plus fumeur depuis à peu près 3 mois. Bien sûr que je me suis procuré des macérats, que malheureusement je n'ai pas vapé toute la journée. Certains liquides vont passer à un moment, d'autres moins, mais là, comme tu es fumeur et que tu veux passer à la vape, toi tu veux du tabac, tu veux ta cigarette. Tu veux pas de la banane, ni de la fraise, ni de la menthe. Tu veux un tabac, eh bien là tu as du vrai tabac, vraiment, et naturel. Ça c'est très très important. Voilà les amis, ça c'était la petite revue, je vous le répète, sur le rodéo qui est Marlboro, Chance qui est Lucky Strike et Oasis qui est Camel et c'est Camel. Voilà, il va arriver, je pense la semaine prochaine, 3 autres présentations en fait. Il y aura une vidéo, je vous ferai la présentation de la Chesterfield, la Gauloise et la Pall Mall. Là, bien évidemment, je ne pourrais pas être aussi objectif que le Camel. C'est pour ça que vraiment j'insiste sur Camel, parce que comme je vous l'ai dit, c'est ma cigarette de Proust, c'est celle que j'aime. Et je vous donnerai mes sensations au niveau des différences des tabacs. Voilà les amis, j'espère à toi fumeur que ça a pu t'aider et toi vapoteur qui a envie de sensations fortes, que ça a pu t'aider aussi. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à lâcher des petits pouces ou pas, je ne sais pas à quoi ça sert. Et surtout, si vous vous procurez un de ces liquides, de me laisser un commentaire et de me dire vraiment ce que vous en pensez. Et vraiment, j'y tiens. Vraiment, j'y tiens. C'est pas pour faire du buzz, c'est pas pour avoir des likes, c'est pas pour avoir des commentaires et qu'il y ait du trafic sur YouTube. Je m'en branle. Je m'en fous complètement de ça. Là, on est là pour parler et faire arrêter les fumeurs de fumer. Et là, je pense, je suis même quasi sûr que ça va marcher. Voilà, les gars. Bon après-midi, bonne soirée, bonne continuation à toutes et à tous. À plus.